C'est aujourd'hui un instrument qui est développé dans beaucoup de nos pays, dans la sous-région. Personnellement, j'ai visité, j'ai mis moi, le centre de traitement de la monnaie de l'Union monétaire ouest-africaine. Ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à faire des transactions avec des cartes magnétiques. Au lieu de transporter de l'argent dans la poche ou dans une valise, vous avez une carte magnétique. On va commencer par des cartes magnétiques simples. Après, on ira avec des cartes Visa pour permettre aux Guinéens de ressembler aux autres citoyens du monde. Et nous sommes très avancés. Aujourd'hui, nous avons créé, on a même proposé le directeur qui va être là. On a mis le conseil d'administration. Monsieur le gouverneur m'a fait l'honneur de me désigner comme président du conseil d'administration de la monétique. Très bientôt, nous allons faire nos premières réunions pour diriger, pour montrer la ligne de conduite. Nous avons là-dedans un capital qui est pris en majorité par la Banque centrale, parce que la Banque centrale est obligée d'organiser cela. Nous avons un peu pris 51%, les banques une partie, et puis le privé qui était dedans une petite partie. L'objectif pour nous, c'est d'organiser, parce que c'est un instrument qui doit rester au niveau des banques. Donc à chaque fois qu'une banque va s'installer, la part de la Banque centrale va être rétrocédée au fur et à mesure aux banques qui vont s'installer et aux autres banques qui vont avoir le plaisir de venir. Nous allons commencer. Et je pense que c'est un instrument qui va réussir. Au départ, ça fait des dépenses pour la Banque centrale parce qu'elle doit organiser. Mais plus tard, ça fera des profits pour le système bancaire.